émission, ça va être un carton, c'est obligatoire, il a une pêche extraordinaire. Et il s'appelle Jarry. Jarry. Ça va? Allez, échauffement. Bah, j'ai pas commencé. Échauffement. Échauffement. Étoile, étoile, papillon. C'est un dîner de con ou quoi? C'est moi le con. Avant de commencer le sketch, est-ce que vous pouvez serrer les jambes, monsieur? Je vois toute la vaisselle. Mais non, mais j'attends depuis 2 heures, j'ai faim. Hein. Il va mourir. Allez, pour les autres. Avant de commencer, je dois vous dire quelque chose, mais j'espère que vous n'allez pas me juger. Pardon. Voilà, je suis gay. Non, mais ça peut... Mais non, mais... Alors, je sais. Mais, en fait, c'est choquant parce que ça se voit pas. Ben non, mais je le sais, parce que tu vois certains, tu dis lui, il est gay, moi, tu me vois, tu dis là-bas des arbres, tu vois. Bon, vous allez me respecter, hein. C'est un personnage. Attention, la Belgique, hein. Je suis un bonhomme, hein. Je viens de Charleroi, moi. Je le tiens pas. Ils applaudissent, j'adore. Ça va sur le côté? Faites coucou! Ils sont cons. Excusez-moi, madame, quand vous rigolez, vous faites bouger vos seins. Si tu peux essayer de les isoler, hein? J'ai peur que le balcon se casse la gueule. Attends, je sais ce que je vais faire avec vous. Non, pas ce que vous pensez. Pourquoi il n'y a que les femmes qui rigolent sur ça? Allez! Je veux faire de vous la plus grande chorale des Flandres. Ah, c'est les Wallons. Vous savez que c'est la même chose. Non? Ah, putain. Vous savez que le but, c'est qu'on arrive à vivre ensemble. Bon, on s'en fout, nous. On les aime pas, nous, hein. Non, faut dire, ils sont un peu cons, mais... Il y a des Wallons, des Flamands, ce soir, dans la salle, levez la main. Oh merde! Il y a une femme, ben, je crois que tu vas prendre cher. Enfin, tu m'as compris, quoi. Bon, les amis, ce soir, je vais faire de vous une chorale, je vais vous faire chanter. Pour ceci, je vais vous mettre en pupitre. Tout le monde sait ce qu'est un pupitre? Putain, j'ai l'impression d'être devant une classe de redoublants, hein. Qu'est-ce qu'il a dit? Je trouve que ça va super vite. Ok, on fait un test, levez les bras! Tout le monde lève les bras, tapez dans les mains. Ok. Non, c'est bon. C'est bon. Ah mais vous partez. Ah putain, ça c'est bien ça. Et toi avec tes seins là, ça en dit... Putain. Ben elle te nourrit toute la Wallonie, hein. Ah oui, ben elle te met un coup de sang aux gamins. Bon, c'est super parce que tout le monde a des bras, c'est un bon début. Alors... pour tous les gens qui sont de ce côté-là, vous allez être les ténors. Un ténor hyper connu, Andrea Bocelli, tout le monde connaît. D'ailleurs, j'en profite, est-ce qu'il y a des aveugles au premier rang? Je vais vous demander d'aller dans le fond et de laisser la place aux voyants, hein. Alors... Attends... Oh, il y a des noirs! Regarde, ils dansent de ton village. Non, arrêtez, on a pas le temps. C'est chronométré, c'est une émission de télévision. Non. C'est qui le bonhomme? Comment je fais l'accent belge? C'était pas une question. Alors, juste les gens qui sont ce côté-là, le balcon du fond, vous jouez pas, hein. Je vous donne la note, vous allez faire ta 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 ta. Mais vous allez jouer après. Oh. Eh, vous êtes cru où, là? Même moi, j'ai eu peur.
Je sais pas comment je dois le prendre à chaque fois que je suis dans ce pays. Hein. Juste là, vous faites ta 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 3, 4. Merci, hein, pour cette joie de vivre. De ce côté. Qu'est-ce qu'il a dit? De ce côté-là, vous êtes les sopranes. C'est un petit peu Mylène Farmer, mais avec du son, OK? Hein? Putain, j'espère que vous allez être meilleurs. La note est un peu plus aiguë. Eh, non, non, on n'a pas le temps! Alors là, t'es dans un abattoir. Et alors, au milieu, avec le balcon en haut, vous êtes les altis. C'est pas une chaîne de montagne. Non, c'est les indéterminés, d'accord? Vous êtes les Vincent McDoom de la chanson. Alors vous allez faire... Ta-da-la-la-la-la. OK, on va chanter une chanson qui a fait que ce pays est ce qu'il est aujourd'hui. On va chanter Tata Yo-Yo. Mais attention, c'est filmé par la télé. Je donne la note. Ta... Elle est encore vivante, Annie. Ta. Il y a que des castrats de ce côté-là. Ta. Vous êtes prêts? 3 et 4. Non, non, non. Non! Arrête! Vous savez... Mais ils sont hyper contents d'eux. Oh, putain, c'est bien. Ta! Oh là là, putain! J'espère qu'Annie Cordy va pas voir les images. Oh. Non, mais t'imagines les Français quand ils vont découvrir cet extrait de mon spectacle? Ils vont se dire, oh, ils ont fait un confession intime. Bon, on va pas se mentir, il y en a deux, trois qui chantent très mal, je suis obligé d'intervenir, je peux pas laisser passer. Hein. Attention, hein. Ah, oh, merci, salam alaikum. La baisse vers la baisse à l'ic. Aïe, 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 ah. Eh, dis donc, me touche pas, Willy Willy, hein. Allez, je vais commencer par monsieur. Quel est votre prénom? Pierre. Pierre, comment ça va, Pierre? Vous venez d'où, Pierre? De Liège. De Liège, hein? Tiens, lève-toi, s'il te plaît, bichon. Oh, tu fais la même taille debout. Enfin, bref. T'es né comme ça. Allez, t'es prêt pour Tata Yo-Yo 3-4? Oh là là. Tata Yo-Yo. Ok, ok. Merci. Ouais. Le problème, c'est... Désolé. Hein? Désolé. Oui, bah, j'espère qu'elle s'est pas foutue en l'air, surtout. En fait, le problème, c'est que t'as pas assez de muscles dans ta bouche. Il faut que tu muscles cette partie. Ok, ça va. T'es venu avec un monsieur. Monsieur, faut le faire bosser à la maison, hein. C'est pas votre papa, quand même. Si? Ah, d'accord. Non, mais... Mais te penche pas comme ça! Vous êtes généreux en Belgique, hein? Attendez. Ouh là là. Attendez. J'ai un coup de téléphone. Tiens. Range-le avec la vaisselle. Voilà. C'est Vincent Taloche. Chut. Oui, bichon? Non, je suis en spectacle, Vincent. Qu'est-ce que... Tu peux pas t'asseoir? Ah oui, mais t'as mangé épicé aussi, hein. Ah oui, ok, on se rejoint. Une dernière chose que je voulais vous dire, mais je vous aime.